Bon les amis, est-ce que vous savez un petit peu m'expliquer où on en est pour le moment? Dans la Death Valley, dans un désert. On vient de Las Vegas et on va aller vers le Yosemite, donc c'est un parc national un peu montagneux comme ça avec plein de forêts. Très froid, avec des ours, et donc 4h30 de route et on a levé de belles heures pour la route. Est-ce que le petit déjeuner est bon? Déjeuner des frosties. On en a assez, hein. Moi j'ai à mon avis de taper une grosse fringale d'ici une demi-heure. Ouais, c'est fort possible. On prendra un. Est-ce qu'on serait pas en train de vider notre caca, Monique? Est-ce qu'on serait pas en train de se récailler? On vide nos petits caca. Gros caca. Y'a rien. On est en train de vider tes merdes, Yannou. Qu'est-ce que tu fais là? Moi je réponds à Françoise. Ah ben, bonjour Françoise. On a rencontré ce gars. Ça dit, ah ouais, ça c'est vraiment une super belle région. Par contre, faites attention, les gars, il y a des ours. T'es pas super bien dans nos chaussettes, dans nos pompes, dans les clapets, dans les mocassins, dans les savates. Où ça? Dans quoi? Au terrier. Où? Le terrier de l'ours. Non, non, mais... Nous, on dit dans nos slashs, dans nos pompes... Je suis de marche, je rentre, chérie. Je suis de chantier, je rentre, chérie. Les crocs, dans nos caterpillars. Dans nos talons aiguilles. Un petit live? Ouais. En train de faire un point au Viterès autour de toi là. Manon Rodrigue, hein. Manon Rodrigue. Mais dis-lui un petit bonjour enfin. Salut chaton. Et on se dirige tout doucement vers où? Le Sequoia. Ouais, on fait vraiment les mecs qui font un peu de l'impro. En fait, ouais. C'est pas mal ça. On fait un travail, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme ça en fait. Un peu. Ouais, je vois. Ils sont sur leur téléphone hein, parce que ça fait quelques temps qu'ils ont plus de wifi donc ils donnent des nouvelles à leur coumère. Parce qu'ils en ont. Bah toi aussi t'en as une, tu donnes pas de nouvelles toi? Tandis qu'on se dit coupé au bois, on l'a dit. Attention de ne te faire pochiter.